Un honneur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h à la une de ce soir. Depuis sa sortie, un tant soit peu critique sur la gestion de la transition le 16 novembre dernier, les soutiens des militaires au pouvoir ne cessent de s'en prendre au Premier ministre. Ils sont allés jusqu'à demander sa démission. Vous allez les entendre dès l'entame de ce journal. En matière des droits des enfants au Mali, de nombreux défis demeurent, et ce, malgré les progrès importants enregistrés. Vous allez en savoir davantage sur la situation dans cette édition avec le président de la COMAT. La situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante sur l'axe Koutiala-Koury. Les hommes armés continuent de semer la terreur sur le tronçon. Les détails dans cette édition. Voilà donc dans les sommets. Bienvenue si vous nous rejoignez. En marge de la célébration de la date anniversaire de la libération de la région de Kidal le 14 novembre 2023, ce mardi 19 novembre 2024, des organisations de la société civile et des partis politiques initiateurs de cette rencontre ont demandé la démission du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, suite à sa sortie critique sur la gestion de la transition le 16 novembre dernier. Retour sur les temps forts de ce meeting de commémoration qui est en réalité une réplique à Choguel Kokala Maïga, et c'est avec Assitong Diallo et Ibrahim Dao. Choguel démission et d'autres slogans hostiles étaient l'ambiance au Centre international des conférences de Bamako hier mardi lors du meeting de célébration de la libération de la région de Kidal. Meeting au cours duquel le Premier ministre a été traité de tous les noms d'oiseaux. Pour les manifestants qui ont tenu ce meeting pour répondre à sa sortie de samedi dernier très critique contre les militaires, Choguel Maïga ne peut plus rester en place. Monsieur Choguel Kokala Maïga, vous avez des comptes à rendre. Le peuple attend des réponses claires et une position qui reflète la dignité d'un véritable serviteur de l'État. En raison de votre discours qui fragilise davantage l'unité nationale, il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de Premier ministre. Le président de la transition, tout comme chaque citoyen, doit tirer les leçons de cette triste expérience et être plus vigilant dans ses choix à l'avenir. Le peuple de notre nation mérite des dirigeants et des collaborateurs intègres, prêts à servir avec dévouement et respect. Il n'y a pas de place dans notre gouvernement de transition pour ceux qui privilégient leurs intérêts personnels au détriment de la justice, de l'honneur et de l'unité nationale. Messieurs les présidents de la transition, pour votre propre sécurité et pour le bien-être de notre pays, les Maliens vous prient de prendre pleinement acte des actions de votre Premier ministre, car une séparation s'avère préférable à cet acte, à ce stade. Il pourrait en effet vous vendre aux nombreux ennemis qui guettent notre nation. Que Dieu le préserve. Cette célébration de l'an 1 de la reprise de la ville de Kidal a été également l'occasion de projeter un film retraçant les réalisations faites par les autorités de la transition. En ces jours de commémoration de la liberté de Kidal, nous exprimons notre profonde gratitude et notre admiration envers nos soldats, ces héros invisibles qui se battent chaque jour, loin de chez eux, pour défendre nos valeurs face au terrorisme, à l'extrémisme et à l'obscurantisme. Cette célébration du 14 novembre 2023 qui marque la reprise de la ville de Kidal par les FAMA après plusieurs années d'absence de l'État marque un tournant dans la marche de la transition avec les territoires prémices d'une rupture totale entre les militaires et le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. On attend la suite avec impatience. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions qui ont été recueillies lors de ce meeting par Loloma Dibati. Ce qui me plaît, ceux qui sont là actuellement, ce que moi j'aime, ils n'ont qu'à être ensemble, ils n'ont qu'à rester. Aucune qui n'a bougé à sa place, ils n'ont qu'à être à, tout le monde n'a qu'à être à sa place, ils n'ont qu'à travailler ensemble. Parce que depuis qu'ils sont venus, ce qui a été passé, tout le monde a vu. Bon, ça n'est pas caché à personne.
Donc nous on veut que Transol et Naka aient été ensemble et tous Naka continuent. Oui, le meeting a été vraiment une réussite. Les gens sont mobilisés, ils ont répondu à l'appel. C'est une très bonne chose. Moi, je soutiens les autorités de la transition. Je soutiens les présidents de la transition. Et je soutiens les forces armées du Mali. Voilà ma position. Pose la question à ceux qui l'ont nommé. Moi, je ne l'ai pas nommé. C'est eux qui peuvent les faire démissionner. On veut vraiment que le Mali soit soudé. On est là pour soutenir les femmes jusqu'au bout. Donc, vraiment, on est très content aujourd'hui pour la soutenir. Ils sont devant plus que moi. Ils connaissent les pays plus que moi. Bon, c'est entre eux. Bon, à l'intérieur, moi, je ne connais pas. Bon, c'est entre eux-mêmes qui connaissent leurs choses. Bon. Moi, je m'arrête là. Ouais, je souhaite qu'ils s'attendent vraiment. Par ailleurs, les réseaux des femmes opératrices économiques du Mali, Refoué Mali, en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, a organisé une session de formation en faveur des femmes entrepreneuses. Cette session de formation vise à renforcer la capacité des participantes en vue de promouvoir leurs affaires. C'était ce mardi à Bamako au siège du dit réseau. Et le compte-rendu est signé Gabriel Keïta. La gestion financière et comptable, tel est le thème de cette session de formation initiée par le réseau des femmes opératrices économiques du Mali et ses partenaires. Elle permettra non seulement aux participantes de mieux cerner la pertinence de la gestion de leur entreprise, mais aussi servir de cadre d'échange d'expérience entre elles. Ça rentre dans le cadre d'un vaste programme de renforcement de capacité de nos membres. Donc, certains thèmes ont été choisis pour qu'on puisse les dispenser aux membres. Donc, aujourd'hui, nous sommes au niveau de la gestion financière de nos entreprises. Toutes choses dont les entreprises ont besoin pour pouvoir mieux gérer les ressources. Quand on est chef d'entreprise, quand on est opératrice économique, on a toujours besoin de savoir comment, entre guillemets, travailler avec l'argent. Donc, ces genres de formations sont toujours utiles. Hein. En fait, le thème de la formation, gestion financière et comptable, c'est jeter des bases quand même de la gestion de façon générale et de la tenue de la comptabilité pour que ces apprenantes-là essaient quand même d'avoir des idées de base par rapport à l'activité qu'ils vont mener tous les jours. Les participantes à cette session de formation ont salué cette belle initiative du réseau des femmes opératrices économiques du Mali qui, selon elles, va sans nul doute contribuer à renforcer leur capacité dans la gestion de leur entreprise. Très satisfaite parce que la formation a été très fructueuse. Ça nous a permis d'être orientés sur la gestion de l'entreprise et la gestion même de la clientèle. Donc moi, vraiment, je suis satisfaite de la formation en ensemble. Oui, bien sûr, car la formation est toujours bénéfique. Les femmes en apprennent beaucoup. Donc c'est pour nous aider à améliorer notre entreprise. Je suis très satisfaite. Il faut toujours se former pour faire mieux dans son entreprise. Pour rappel là, le réseau des femmes opératrices économiques du Mali a été créé depuis 2005 et se donne comme mission de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Mali. Je vous parlais tout à l'heure de droits des enfants dans les titres sous le thème « La protection de l'enfant face au changement climatique ». Ce 20 novembre, la Journée internationale de l'enfance a été célébrée à travers le monde. Cette journée vise à sensibiliser le public aux droits des enfants et à leur bien-être tout en soulignant la nécessité d'un avenir meilleur. Selon la Coalition malienne pour les droits de l'enfant, COMAD, des progrès significatifs ont été réalisés en matière de protection des droits de l'enfant au Mali. Cependant, de nombreux défis demeurent. Et parmi ceux-ci figure la question des actes de naissance, la situation des enfants vivant dans la rue et la nécessité de rouvrir les classes fermées par les inondations et l'insécurité. Le président de la COMAD nous explique davantage la situation au Mali au micro de Amadou Diarra et de Zakaria Oumar Keïta. Alors, chaque année, nous commémorons l'entrée en vigueur de cette convention qui est le socle des droits de l'enfant.
C'est une journée où chaque année, les enfants et les acteurs de la protection, les gouvernements qui se sont engagés, se réunissent et fassent le point sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché. En termes d'avancée, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Alors, nous avons vu qu'il y a des efforts que le gouvernement doit faire. Il faut adopter le projet de loi relative à la protection de l'enfant. Il faut rendre disponibles aussi les registres d'état civil dans tous les centres de civil, dans tous les centres d'état civil et les digitaliser au besoin. Au Mali, nous avons beaucoup de problèmes d'état civil. Et avec le conflit armé aussi, les choses se sont empirées. Il faut que l'État fasse un moratoire pour libérer les actes de naissance afin que tous ces enfants qui sont dans le besoin puissent avoir un bon acte de naissance avec des jugements supplétifs qui sont aussi rendus gratuits par la complicité de tous les acteurs qui sont interpellés sur ce sujet-là. Il y a aussi ce problème que nos membres rencontrent, les enfants sans filiation, les enfants qui ont des problèmes de père ou des problèmes dont l'acte de naissance n'a pas de père et que les mairies refusent de produire cet acte de naissance. C'est un vrai souci. Il faut que l'État, en collaboration avec la Coalition malienne des droits de l'enfant et les acteurs qui sont dans ce domaine-là, puisse s'asseoir et trouver une solution pour ne pas discriminer ces enfants. Il faut multiplier les centres d'accueil et d'hébergement pour les enfants en besoin. Actuellement, dans toutes les capitales économiques du Mali, vous allez trouver des enfants de moins de 5 ans, de moins de 6 ans, ces enfants qui errent dans la rue, qui est mendier. Alors il faut que nous puissions développer cette notion de parentalité positive au niveau des communautés, l'éducation non violente, pour que l'éducation des enfants puisse se faire dans les familles et non dans la rue. La rue n'a pas d'enfant, la rue ne peut pas éduquer un enfant, accompagner et être un homme de demain. Réouvrir les écoles fermées avec l'hivernage, les inondations, nous avons eu beaucoup d'écoles qui sont encore sous l'emprise ou qui n'ont pas encore été reprises à cause de l'insécurité ou qui sont encore occupées. Alors nous demandons à l'État de prendre toutes les... Le Palais de la Culture Amadou Ampatieba a abrité ce mardi 19 novembre 2024 une causerie débat avec la communauté des créateurs littéraires et artistiques autour des questions de droits d'auteur et des droits voisins. Organisé par le Bureau malien des droits d'auteur, l'objectif de cette rencontre est d'être plus près de ces sociétaires pour les informer sur l'évolution des questions de l'air, mais aussi de noter les préoccupations et les attentes de ces derniers vis-à-vis du Bureau malien des droits d'auteur. La Sinjakité, compte rendu. Le Bureau malien du droit d'auteur a pour mission fondamentale l'organisation et la représentation des acteurs d'œuvres littéraires et artistiques ainsi que leurs ayants droit. Cette rencontre permettra à ces acteurs artistiques et littéraires d'échanger sur des thématiques, notamment la gestion collective des droits voisins, les atteintes aux droits d'auteur et l'exploitation des droits. La plateforme de causerie débat est un forum interdynamique d'information et d'échange entre la direction générale et les membres de la structure. Il est ouvert au public. Cette plateforme a été instituée dans le but d'améliorer la bonne gouvernance du BIMDA en facilitant l'accès des membres et du public à l'information. Parce que tout ce que nous faisons, nous sommes à mesure de vous les communiquer afin que vous puissiez comprendre et d'apporter aussi votre touche personnelle. Parce que généralement, comme le disent les Bambara, « Moko ifen dombe ifen be donte ». Donc nous attendons aussi beaucoup de vous. C'est le lieu pour nous de vous informer sur la vie de l'organisation, son évolution, ses succès, ses échecs, ses contraintes et les défis auxquels elle fait face. C'est une démarche qui s'appuie sur la transparence et elle vise à renforcer la confiance des membres en leur organisation qui est le bureau. Les participants à ces forums sont autorisés dans la plus grande courtoisie et le respect à poser toutes les questions qui leur préoccupent
Le bureau va répondre sans ambages et c'est une occasion pour lui aussi de s'enrichir des expériences et de recueillir les critiques et suggestions pour améliorer sa gestion. La directrice générale du Bureau malien du droit d'auteur a invité la communauté des créateurs littéraires et artistiques à s'impliquer davantage dans les différents échanges pour l'atteinte des objectifs. Je vous invite à mieux appréhender les sujets qui seront débattus afin de mieux comprendre la gestion et l'exploitation des droits dans un environnement qui se numérise de plus en plus. Je suis convaincue que c'est ensemble, évoluant dans un domaine de partage et d'échange, que nous pouvons trouver des solutions aux défis qui se posent dans l'environnement numérique. Sans pour autant anticiper sur la qualité des débats que je présage fructueuse, a rappelé que le Bureau malien du droit d'auteur est le seul organisme de gestion collective du droit voisin au Mali et compte aujourd'hui plus de 3000 sociétaires. 58 apprenants issus du centre d'apprentissage féminin de Kalabankoura ont reçu leur attestation après 2 années de formation. Ces élèves sont maintenant aptes à voler de leurs propres ailes pour assurer leur autonomisation économique. La cérémonie de remise s'est tenue ce mercredi 20 novembre 2024 dans l'enceinte de l'établissement. La Sindia Kité nous revient cette fois-ci avec Fatoumata Dambélé pour le compte-rendu. Ils sont au nombre de 58 apprenants, dont 23 en coiffure esthétique, 18 en coupe et couture, 12 en transformation agroalimentaire et 5 en teinture à recevoir leurs attestations de fin de formation au centre d'apprentissage féminin de Kalabankoura, conformément à sa vocation de lutter contre la déperdition scolaire des filles et de favoriser leur autonomisation. Les centres évoluent depuis octobre 2022 dans les systèmes d'approche par compétences. Pour les responsables du centre, ces apprenants sont prêts à travailler à leur propre compte. La durée de formation qui était une année académique est passée à 2 ans depuis l'année scolaire 2015-2016. De cette date à juillet 2022, le centre a formé 883 apprenantes, toutes filières et tous cycles confondus en formation académique, soit 92% de réussite. Et 64 bénéficiaires en formation privée. Le projet des filles Mali, depuis le début de la collaboration jusqu'à nos jours, n'a cessé de soutenir le centre, étant aussi partenaire de certains déplacés, afin d'inscrire et accompagner des jeunes filles déplacées qui font partie de la première promotion de l'APC. Les partenaires techniques et financiers, dont les défis Mali, se disent satisfaits des résultats obtenus. Une fois qu'on fait tout ce travail-là, c'est de trouver un espace ou un endroit où on peut concrétiser ces efforts-là. Et je pense que le café de Kalabankoura, c'est vraiment cet endroit-là de prédilection sous votre leadership, Madame la directrice. Et je pense qu'avec vous et avec votre équipe, on a vraiment pu faire valoir pourquoi tout ce travail-là est important. On est extrêmement satisfait de ce partenariat-là. C'est vraiment un des partenariats où on a pu vraiment réaliser des choses concrètes. Et ça, c'est le plus important. Vraiment un message pour les jeunes filles, les apprenantes, de vraiment avoir le courage de continuer et de mettre à profit tout ce que ce centre-là réussit à vous donner. Tout en félicitant les récipiendaires, le représentant du ministre de l'Éducation nationale a invité les responsables de l'établissement à maintenir le cap. Et aujourd'hui, Madame la directrice nous présente un bon résultat et nous la félicitons, nous l'encourageons. Nous associons à ces encouragements toute son équipe et nous pensons que d'autres arbres vont être plantés et cette bonne idée qui consiste à armer les filles de moyens ou d'outils qui leur permettent de s'assumer dans la vie, je pense que c'est une idée géniale qui mérite d'être encouragée. La promotion porte le nom de Nouhoum Sangaré, chef du projet Défi. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des stands et des logos de l'établissement.
Des hommes armés continuent de semer la terreur sur le tronçon Kuri-Kuchala. En plus du braquage des occupants, des véhicules de transport en commun, ils brûlent des engins des sociétés des travaux publics. La situation devient de plus en plus difficile. Les explications avec Awasanogo. Le lundi 18 novembre 2024, plusieurs usagers de ce tronçon ont été soumis à des contrôles irréguliers de la part des hommes armés non identifiés. Des sources locales rapportent que la semaine dernière, un braquage de véhicules est survenu sur ce même tronçon où des passagers ont été dépouillés de leurs biens, téléphones et argent. Le mois dernier, deux machines d'une entreprise de la place menant des travaux sur la route ont également été incendiées, ajoutent les mêmes sources. La situation inquiète les populations. À rappeler que le tronçon Kuchala-Kuri est sur la route nationale RN14 et continue jusqu'au Burkina Faso. Le président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, a dissous ce mercredi le gouvernement. Le premier ministre et les membres de son gouvernement sont donc renvoyés. Depuis le samedi, le torchon brûlait entre le général Assimi Goïta et le chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga. Ce dernier avait critiqué la gestion des affaires par les militaires. Nous vous proposons de suivre la lecture du décret. Décret numéro 2024-0656-PTRM du 20 novembre 2024, mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Article 2. Les décrets ci-après sont abrogés. Numéro 2021-0361-P. TRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Numéro 2022-0752-PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État. Numéro 2021-0385-PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 20 novembre 2024. Le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Ne nous éloignons pas de l'essentiel, ne nous éloignons pas de la réalité qui est et demeure le Mali. Mettons toujours ce pays au cœur de nos aspirations et ne permettons pas que les ennemis rient de nous. Bonsoir et à demain.